Nous sommes devant l'hôtel de ville de Sorel-Tracy et honnêtement, à l'intérieur de ça, c'est aussi bon qu'un film de Tim Burton. Vous avez été nombreux à redemander d'autres moments savoureux provenant de l'hôtel de ville de Sorel-Tracy. Allez, votre question, M. Saint-Pierre. Ben, il t'a pas une question, il t'a un commentaire. Et honnêtement, on serait tenté de vous envoyer l'intégrale des rencontres tellement c'est bon tout le temps. C'est certain qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus colorés. Hein? Il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années et le maire préside l'Assemblée. Évidemment, il n'avait pas d'expérience comme président de l'Assemblée lorsqu'il est arrivé. A appris un peu sur le tas. Il fait ce qu'il peut. Oui, effectivement, il fait ce qu'il peut. Voici donc pour votre plaisir un grand moment du conseil de ville de Sorel-Tracy. Le maire répond à Monsieur Piché. C'est drôle, on vous pose des questions à tout le monde, on n'a jamais de réponse. Bon, monsieur Piché. Qu'est-ce que c'est, ça, de ne pas avoir de réponse? Monsieur Piché, que voulez-vous que je fasse, là? Voyons donc, pour qui vous nous prenez? Une bande de cons? Tribuables, me dire, comme un de mes ex-voisins? Bon, alors, fait quoi, monsieur Piché, là? C'est quoi votre question, là? Ben, ça l'est, ça, ça devenait une question. Monsieur Piché, je reviens peut-être ces odeurs, mais vous ne les sentirez pas, les odeurs. Allez-vous à une autre question? Ah oui? Ouais. Comment vous allez me garantir ça? Vous pourrez me déposer 100 000 $ demain matin, qu'il n'y en aura pas? Parce que j'en ai pas, monsieur. J'ai pas 100 000 $. Faites un emprunt, quelque chose comme ça. Un emprunt? Je vais vous dire, bon, là, c'est la dernière. Je suis très déçu. Oui, là, oui, oui. Parce que vous n'avez rien appris. Vous n'avez rien à quoi? Rien appris. C'est beau, monsieur Piché. C'est beau, monsieur Piché, ça. Non, c'est pas beau. Ah ben là, monsieur Piché. Monsieur Gourdeau. Écoutez, monsieur Gourdeau. C'est Gourdeau. Gourdeau, pardon. Monsieur Goudreau. Gourdeau. On va essayer de se calmer un peu. On va respirer par le nez, tout le monde. Un instant, silence. Vous êtes monsieur Maisonneuve? Bon, attendez, vous venez après votre tour, OK? C'est lui, là. C'est ça, après monsieur. Et monsieur Maisonneuve? Savez-vous quelle différence qu'il y a entre les odeurs de Comporet et les odeurs d'un dépotoir de vidange? C'est la même affaire. Merci beaucoup, monsieur. Tous les citoyens ici sont bien contents d'avoir assisté à l'Assemblée à soir. Puis, en fin de compte, on sait tout ce qu'on s'en va. Je trouve ça bien de valeur. Surtout qu'on filme ça, qu'on pose ça en Canal Vox. Les gens d'extérieur doivent se demander quelle sorte de malade qu'il y a là.